L'idée, c'était d'amener Beethoven ici, de lui montrer que même si les lois nazies avaient empêché les musiciens juifs de jouer sa musique, de lui montrer ici que dans ce camp-là, il y avait un enfant parmi 280 enfants qui chantait dans les latrines l'hymne à la joie, en cachette. Et qu'un des survivants, le seul survivant de ces 280 enfants, qui est aujourd'hui à Jérusalem, il a raconté plus tard que quand il a découvert que c'était Beethoven, il a compris que c'est cette musique et le fait d'avoir pu chanter et entendre cette musique qui lui avait permis de garder courage au-delà de l'espérance, au-delà de toute espérance. L'invisible touche le visible. C'est pas descriptible en fait, c'est-à-dire que on a tout à coup le sentiment que la mission de la musique est accomplie dans ce qu'elle a de... surnaturel au fond, et dans sa mission de consolation éternelle.